Ouais, ouais, ouais. Ah, mais l'autre, elle m'a plus sortie. Elle est retournée dans. T'as vu? Elle est sortie. Thank you.
Oh my god, he's blowing himself. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire.
J'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Thank you.
Hein.
des oiseaux, mais des poissons. Non, c'est pas des oiseaux. Oui. Oh, les morceaux, ils sont beaux. Les gens. Ah, c'est joli, celui-là ouais. Aussi, hein. Thank you.
5. Vous allez pouvoir monter à bord, s'il vous plaît, en présentant vos billets. Merci. Barnavalo. Alors maintenant, nous allons arriver à l'endroit des îles mégalithiques avec, pour commencer, au loin, sur l'avant gauche, une île avec une grande butte de pierre. Vous voyez un quai en pierre de taille avec des balises rouges, derrière le voilier bleu, avec une voile blanche. C'est l'île de Gavrinis avec son tumulus. Gavrinis est un des points culminants du golfe avec une hauteur de 21,40 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Toutes les pierres à l'intérieur de ce tumulus sont entièrement sculptées et gravées. Au dire des archéologues, il ferait partie des plus beaux monuments mégalithiques du monde. Cette architecture daterait de 6000 ans. Cet oiseau qui peut plonger jusqu'à 40 mètres et manger son propre poids en poisson par jour. C'est aussi le seul oiseau marin qui n'a pas de plumage étanche. Il est très souvent représenté face au vent, les ailes écartées pour sécher son plumage. Alors, ses arbres sont desséchés dû aux fientes de ses cormorans. Comme ils mangent des poissons entiers et vivants, ils ont énormément d'acidité. Donc, ils se mettent sur les bouts des arbres plus proches de l'eau. Et donc, aussitôt qu'il y a des passages de poissons, ils sont prêts. Et devant nous, l'île de Dantenne, dans cette île, également. Les arbres ont été séchés à la pointe et lors des tempêtes. Soir, tout
tous ensemble quand nous allons danser. Un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer. En chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre nous nous retrouverons, et le soir dans ta chambre nous le rechanterons malgré le vent d'automne et les pluies monotones. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux